ce jour-là, des remparts. On voyait revenir un voyageur parti pour la ville de Tyr. Sa suite et ses chevaux montraient son opulence. Guidé nonchalamment par le fer d'une lance, fléchissaient sous leur poids, et l'onagre rayé, et l'indolent chameau, par son guide effrayé. Et 12 serviteurs, suivant l'étroite voie, courbaient leur front brûlé, sous la pourpre et la soie. Et le maître disait, « Maintenant, Séphora, cherche dans l'horizon si l'époux reviendra. » Elle pleure. Elle dit, « Il est bien loin encore. » Des feux du jour, pourtant, le désert se colore, et du côté de Tyr, je ne l'aperçois pas. Mais elle va courir au devant de mes pas. Et je dirai, « Tenez, livrez-vous à la joie. Ces présents sont pour vous, et la pourpre et la soie, et le moelleux tapis, et l'ambre précieux, et l'acier des miroirs que souhaitaient vos yeux. » Voilà ce qu'il disait. Et de Sion la sainte, traversait à grands pas la tortueuse enceinte.